Bonjour et bienvenue dans ce carnet de guerre. Ce carnet de guerre est consacré à un oubli que j'ai voulu faire pour les sorties d'octobre. Mais comme il est passé en coup de vent sur le site internet et que j'ai complètement oublié en fait de le prendre pour les sorties d'octobre, je fais une vidéo. Alors ce sera une vidéo consacrée à Carve le messager. Et pour papoter un petit peu justement de cette nouvelle faction qui sont les Selk. Déjà, Carve le messager, figurine sculptée par je ne sais pas qui et peinte par je ne sais pas qui non plus. Voilà. Donc j'imagine que ça doit être figurine sculptée par Emmanuel Pontier et peinte par Emmanuel Pontier ou Gwen Naël Jouy-Boulard, je ne sais pas lequel des deux a passé du temps sur cette figurine au niveau de la peinture. Donc si c'est pas le cas, je suis désolé si j'oublie un sculpteur ou un peintre, et au sculpteur et au peintre, bravo. C'est une figurine que je trouve extrêmement comment dire ça, elle est très impressionnante. Elle a pas l'air comme ça, mais il faut bien se rendre compte que vous avez un socle de 40 mm. Si vous regardez sur la photo, la figurine est très grande et elle est surtout très ample. C'est-à-dire que l'effet de drapé sur la cape est vraiment très important, et c'est une figurine qui, sur la table, est vraiment très... Elle est là, elle a une présence, elle est assez simple au niveau de la sculpture. Il n'y a pas 200 millions de trucs d'enluminure et de machin. Il y a des petits gris-gris sur les cornes, il y a une fibule licorne. Oui, je crois que c'est... Ou alors c'est cheval avec la fibule qui traverse, mais ça fait un peu... Bref. Et dans la main, il y a cette espèce de torque. Et puis, il y a la bourse. Elle est assez simple au niveau de la sculpture, mais elle claque vraiment visuellement. Et je pense que les gens qui aiment bien travailler les drapés vont vraiment s'amuser sur cette figurine. C'est une figurine qui doit être très agréable à peindre. Mais je laisse les sculpteurs... donner leur avis. Au niveau des caracs, eh bien, nous avons Carve le messager. En bas à gauche, vous avez le logo. Donc, c'est cette espèce de triskel vert. C'est pas un triskel. Je sais pas le nom. Je sais plus le nom de ce machin-là. Avec des cornes derrière. Donc, ce sera une bande principalement, enfin un groupe principalement composé de cornus. Nous avons également l'information quoi c'est. Maître du druidisme, ce qui en fait le premier druide du jeu. Voilà, et sinon il vaut 100 pièces d'or, 110 pardon. Qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là? Constite 5, dextérité 4, force 4, mental 5, 5 de mouvement, 9 PA, 30 points de vie. Le bâton de vision, force dégâts, une main. Si l'adversaire possède au moins 3 PA, Carve peut décider de lui imposer de contrer. La botte. Force dégâts, Carve récupère autant de PV qu'il inflige de dégâts avec cette botte. La préscience, Carve ne paye pas le coût d'une esquive face à une attaque issue d'un contre. Je vais passer, il a une carte spéciale, mais elle est extrêmement anecdotique actuellement. Puisque c'est une carte qui concerne les Selk alliés de Carve et une autre information. On va y revenir après, mais là pour l'instant je pense qu'il y a à peu près que ça qui compte. Actuellement. La première chose qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez le recruter dans une de vos bandes, malheureusement, il faut payer le coût d'alliance et contrat. Et on ne connaît pas le coût d'alliance et contrat. Voilà. C'est un peu embêtant. J'ai cru entendre 5 quand j'étais à Octogone. Mais par contre, je ne suis pas certain. Donc si par hasard, Gwen passe par là, ou Manu, ou n'importe qui de l'équipe de GCM et qui peut mettre au clair juste le coût d'alliance et contrat pour cette figurine, ça serait super chouette. Comme ça, on pourrait la jouer sur les tables de jeu. Au niveau des stats, c'est un profil de magicien. C'est-à-dire qu'il est un tout petit peu plus cher que ce qu'on pourrait attendre. Mais il a quand même des bonnes stats. Il a 9 PA, il a 30 points de vie, ce qui est quand même pas mal, surtout pour un magot. 5 de constit, 5 de mental et 5 de mouvement, ce qui en fait quand même une figurine avec des stats assez hautes. Les 2-4 sont tout à fait agréables, hein, en dextérité, en force. Il n'y a pas à tortiller du derrière. Par contre, on payera le coût du druidisme qu'on ne connaît pas encore. On n'a pas les sorts primordiaux. Et on ne sait pas tellement quel type de magie va être le druidisme.
Dans ma tête, j'imagine un mélange un peu symbiose totem, mais je sais pas du tout. Ah, c'est que des spéculations à ce niveau-là. Donc voilà, on paye un peu la magie alors qu'on peut pas l'utiliser actuellement. C'est pas tellement grave, mais voilà, c'est un peu handicapant pour faire une vraie approche tactique dessus. Et si vous voulez lui mettre de la magie supplémentaire, eh bien il faut payer des parchemins ou des grimoires. C'est pas forcément toujours facile de rentrer les coups. Donc c'est une figurine extrêmement polyvalente qui va pouvoir faire plein de choses, réaliser pas mal d'objectifs, mettre des petits coups là où il faut. Et surtout, ça va être une figurine qui va être utilisée pour emmerder le monde. C'est-à-dire que si vous avez décidé de garder assez de PA pour faire plusieurs esquives, notamment je pense aux Ixtiens qui ont Mucus. Vous pouvez faire pas mal d'esquives avec très peu de PA, et du coup, lui, s'il vous attaque, il va vous dire: Bah non, tu feras pas une esquive, tu feras un contre, il te reste 3 PA, je veux que tu me contres, et puis voilà. Et du coup, vous allez perdre votre puissance défensive à ce moment-là. D'autant plus que si vous réussissez à contrer, lui, de son côté, il va pouvoir faire une esquive gratos. Sur l'attaque de votre contre. Donc c'est un petit peu, c'est un peu un fouteur de merde en fait. C'est un peu ça et je trouve qu'il fait, il fout très bien la merde. Alors, on va pas se mentir. Il fout très bien la merde pour vous faire sauter les PA que vous avez gardés pour la défense. Et je pense que c'est une figurine qui va être très intéressante. Peut-être quand on pourra jouer les Selk. Quand il y aura plus de figurines, ce sera d'autant plus intéressant. Mais là, je trouve que c'est déjà une figurine qui a un potentiel plutôt sympa. Et puis sa botte, force dégâts, il récupère des PV. Il suffit de passer. Enfin, il suffit. Si vous passez une critique, eh bien, vous récupérez 8 points de vie. Ce qui est clairement pas dégueulasse. Si vous avez décidé de mettre une petite potion de force, parce que oui. Hein, on va pas se mentir, la petite potion de force, ça fait toujours plaisir. Et ben, vous allez pouvoir faire, vous allez récupérer encore plus de PV. Non, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus de très très intéressant. De même que si vous décidez de le booster via des sorts, il y a des sorts qui boostent les dégâts que vous faites durant quand vous tapez. Je pense qu'il peut vraiment être une plaie à récupérer des PV tous les tours, etc. Il a assez de PA pour faire justement sa botte chaque tour. Même si vous tapez que avec la botte, au final, vous tapez une fois, vous récupérez des points de vie. Je pense qu'il peut vraiment être embêtant. On va passer à la carte qui lui est réservée, c'est l'œil de Bran. Lorsque Karv est accompagné de son corbeau, il peut choisir un adversaire au début de chaque tour. Le premier effet, c'est ce dernier ne bénéficie d'aucun bonus de couvert contre les Selk alliés de Karv. Et si Karv est accompagné de Bran, vous n'avez pas à payer son coût de contrat ou d'alliance lorsque l'ennemi est une aberration. Ça coûte 8 pièces d'or. Ça ne sert actuellement à rien du tout. Puisque bah, il n'y a pas de Selk alliés pour l'instant. Voilà. Et surtout, on ne sait pas ce qu'est les aberrations. Enfin, on ne sait pas. Pour l'instant, il n'y a pas d'aberration au jeu. Voilà. Il semblerait que dans la saison 3. Ça soit justement les nouvelles mécaniques de jeu. Il semblerait que ce soit des figurines qui seront encore plus grosses que les colosses et les montures et les imposants. Et que ça permettrait de jouer un peu différemment de ce qu'on connaît. Du coup, on verra quand ça sera sorti. D'où est-ce qu'elles viennent, qu'est-ce qu'elles sont, à quoi elles servent et comment on les joue. Ouais, ce sera tout dans la saison 3. Et dans les petites indiscrétions que l'équipe de TGCM glisse de temps en temps. Hein, je pense notamment à Gwen qui aime bien parler de tout un tas de trucs. Donc de temps en temps, vous allez pouvoir récupérer des informations. Du coup, c'est une figurine que je trouve très intéressante, que je trouve un petit peu dommage de l'avoir sortie aussi longtemps en avance par rapport à une saison 3. Je sais bien que les, enfin, je sais bien que ça prend du, enfin, que avec le Kickstarter, avec Carnage, avec le lancement de tout ça, avec le fait qu'ils sont pas non plus 60 millions dans l'équipe de TGCM, je sais bien qu'ils peuvent pas tout faire en même temps et que c'était un gros, comment on dit ça? Ben, je pense que ça a fait sa pub d'avoir cette figurine-là à l'Octogone et je comprends le fait de la sortir. Je trouve dommage qu'on n'ait pas
quelques informations supplémentaires pour jouer la figurine, notamment le coup d'alliance qui n'est inscrit nulle part, ou alors j'ai raté le truc, voilà. Et peut-être simplement juste le ou les sorts primordiaux du druidisme, histoire qu'il ait la base, et que du coup la figurine, en plus d'être une figurine collector, soit une figurine qui soit déjà jouable et on peut s'en jailler un tout petit peu plus. Peut-être que ça viendra dans le futur, je ne sais pas comment ils ont prévu leur planning de sortie, etc. Mais je pense que c'est une figurine qui a vraiment un bon potentiel, qui va être vraiment intéressante. Que niveau sculpture, ça promet du lourd, parce que clairement, s'ils nous font des moutons avec cette tête-là, moi je prends. Hein, une bande de cornus moutons, moi ça me boite. Et qu'il y a un certain nombre de... Bah, juste la pression, etc. Ça donne quand même... Ça va pas juste être une bande de plus. Connaissant un peu TGSM, on peut s'attendre à ce qu'ils aillent chercher un peu plus loin que simplement repomper des profils divers et variés pour une nouvelle bande. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'aime beaucoup l'idée de la préscience. J'aime bien l'idée des... Enfin, voilà, ça apporte quelque chose de nouveau. Il a des compétences qu'aucune autre figurine n'a. Et je trouve qu'elle est intéressante. J'attends avec impatience de voir ce que ça va donner au niveau de cette nouvelle faction et pour voir ce que ça donne. Au niveau des informations qu'on peut gratter en plus, ben, je vous ai dit, les aberrations, ce sera sans doute un système de jeu particulier. Il semblerait qu'on se dirige vers un joueur joue une aberration, l'autre joueur joue une bande. Donc ça va donner des trucs absolument, absolument gigantesques si c'est un espèce de kraken géant... Enfin, déjà, un Kraken, c'est grand, alors un Kraken géant, je vous laisse voir. Mais voilà, où on pourrait vraiment jouer, s'imaginer un bateau qui affronte ce fameux Kraken ou n'importe quelle autre bestiole gigantesque et malfaisante. Hein. De là à dire qu'il y aura des araignées géantes, ce sera le panard. Mais je n'en sais rien, peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont encore en attente à ce niveau-là. Je pense que... Après une petite analyse, on peut être que hypé et que intrigué de savoir qu'est-ce qui va se passer après. Donc j'attends avec impatience cette fameuse saison 3. J'espère qu'elle viendra bientôt. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo concernant cette figurine exclusive. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous êtes autant hypé que moi pour la saison 3. Et d'ici à la prochaine vidéo, eh bien, que les dés soient avec vous.